Salut à tous, c'est Didou, accompagné de The Skitax. Salut. Donc aujourd'hui on va vous présenter le serveur Alipsan Minecraft, donc en 1.8.8. Que là nous avons les administrateurs et fondateurs. Donc là c'est The Skitax, le fondateur. Là nous avons l'administrateur Pringles. Là nous avons moi-même, Amande89, fondatrice. Et là nous avons Daragon qui est administrateur aussi. Et enfin Lixou Pixou, administrateur aussi. Donc là on a la salle du Nether. Là on a la salle pour les infos et puis donner des idées comment on pourrait améliorer le serveur. Ici nous avons donc la salle des grades. Donc là-bas vous aurez toutes les informations sur tous les grades. Donc roi, seigneur, paysan déjà, après voilà. Et fondateur. Seigneur. Ah d'ailleurs ça c'est qu'on le change. Roi, c'est plus roi, c'est admin. Voilà. Puis les fondateurs. Voilà. En face de nous, on a donc la salle des échanges, enfin les échangeurs. Il y a des PNJ, mais là pour l'instant, il n'y en a pas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ici, c'est donc où il y aura tous les portails. Donc là, on a déjà le monde de ressources, PVP désactivé et PVE activé. Là, on a la salle des mini-jeux en construction, bien sûr. On ira peut-être faire un tour après. Là, donc le monde PVP faction, PVP activé et PVE activé. Et là, nous avons le shop achat et vente. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà. Si vous voyez autant de neige, c'est parce que comme on est en pleine période de Noël, on fait des events, etc. pour offrir des cadeaux aux joueurs. Ouais. Donc. Et oui aussi, quand vous arrivez directement sur le serveur, quand vous êtes nouveau, je crois que non, ça n'avait pas le chat. Vous avez 100 000 $. Oui, 100 000, c'est en plus. Ouais, vous avez 100 000 $ et puis donc vous pouvez vous faire plaisir. Avec un budget de diamants, c'est que 300 $. Ouais. Voilà. Donc tout ça c'est le shop, même il y en a en bas aussi. En bas c'est plutôt genre le bois et tout ça. La glace. Il y a notre tête, mais bon, c'est un peu abusé. Hein, notre tête est très chère quand même. Hein. On est fait ouais, en même temps. Donc on va retourner au spawn. Donc ça, les trucs gris que vous voyez ici, ça vous affichera pas, parce que nous, vu qu'on est OP, c'est nous les affiches. Voilà. Donc en face, c'est donc la ville. C'est le petit bijou du cerveau. C'est Alipsan City. Donc là on atterrit ici, c'est le spawn. Donc vous ne pouvez pas descendre, monter ou quoi que ce soit. C'est blindé. Si vous avez des flèches hein, ouais, pour vous diriger. Ouais. Donc là vous tombez, vous laissez tomber, puis vous continuez votre route. Donc comme je vous l'ai dit, vu qu'on est en pleine période de Noël, on a fait un sapin de Noël ici. Oui, donc là le grand truc là c'est le spawn. C'est énorme. Voilà. Donc elle est vraiment en construction. Pour l'instant il y a limite que des passerelles et quelques maisons. Les maisons des paysans qui sont en ce moment. Il est ouvert il n'y a même pas 10 jours. Ouais. Donc on a invité quelques amis qui ont fait leur maison. Voilà. Mmh. Ici le bateau qui est là, c'est un c'est Pringles, l'administrateur qui l'a fait. Voilà, c'est le Black Pierre. Ouais. Oula. Black Pearl. Enfin c'est le bateau des Pirates des Caraïbes. Montre-le en entier. Mais on l'aime bien, mais le problème c'est qu'il est un peu sombre. Ouais, on trouve qu'il est un petit peu sombre. Pour une période de Noël, ça fait un peu mort. Ouais, ici il y a un moulin et tout ça. Donc là c'est le moulin de The Skitox, énorme, énorme ici. Très joli. Et là c'est plus qu'énormissime, là c'est carrément l'extrême. En fait. La... Je pense que même que ça va être une place. La à place d'Alipsan. Genre à Pâques, il y aura un gros œuf. Là c'est la place de Noël. Voilà. Donc pour l'instant ici, il n'y a pas grand chose parce que... C'est, comme vous voyez, il n'y a pas assez de place pour mettre des terrains. Mais après, ça va se faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'aide. Donc, si vous êtes intéressé par le serveur... Non, on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de monde. Ouais, on a besoin.
Voilà, tout simplement. Donc aussi en période neige, hein, vu que c'est bientôt les fêtes. Donc là on a le manoir de la mort. Voilà, comme est affiché en haut de l'écran si on le voit bien. Donc c'est énorme, c'était une grosse construction. C'est fait par Twixman, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on va aller visiter le monde des mini-jeux, et oui, c'est voilà. Un petit bonus. Hunger Games que j'ai créé, c'est pas... je l'ai appelé Kill All Players. Donc vous avez ici le kit Dieu avec une hache en diamant, 32 pierres, 5 œufs de vache. Là on a le kit Archer, Arc Affinité, Infinité 1, 2 steaks crus et jambier en fer. Ici on a le kit Bourrin avec un briquet, un arc plus 2, plus 32 flèches, pardon, torse en or. Et là on a le kit vagabond, épée diamant, 2 œufs de poule et un casque en fer. Voilà, donc si par exemple vous prenez un kit, c'est directement TP en haut ici. Et en fait vous serez avec des admins qui vont tout simplement casser ici. Ouais, vous laissez accès à la, map. En fait vous tomberez tout simplement. Et ici vous avez la prison. Voilà. La prison qui a été détruite. Ça fait exprès, hein. Si vous avez un coffre. Enfin, des petits secrets, des coffres cachés, etc. Mais on les rechangera. Exactement. Voilà. Les jeux seront accessibles seulement s'il y a plus de 10 personnes pouvant jouer. Donc, sans compter bien sûr les admins. Puis bah voilà. Tout simplement. Okay. Voilà, donc on va retourner au mini-jeu, enfin à la boîte. Oui. Donc quand vous faites cette porte là, vous intéressez ici. Et ici. Ah ah ah. L'exclusivité de la vidéo. Wahou. C'est tout simplement spécial Noël, donc à Noël, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui va y jouer, c'est pour ça qu'on va le faire dans l'après-midi. Vers 16h, donc c'est celui-ci, l'event de 16h. Mm. Et voilà, quand vous cliquez là, vous atterrissez dans une salle avec plein de cadeaux. Voilà, Event Noël, les règles. Attends ton tour. Un ennemi va te TP pour que tu choisisses un cadeau. Une fois ouvert et pris, tu devras partir. De toute façon, dans tous les cas, je pense que l'ennemi vous enverra au spawn directement. Là. Donc voilà, c'est énorme, j'avais même pas vu que c'était aussi gros. Donc en fait, simplement, pour choisir votre cadeau, vous vous baladerez. Vous choisirez simplement un cadeau au pif. Par exemple celui-ci. Vous irez ici et voilà.
vous avez un cadeau. Ici. Juste là. Mais sauf qu'en fait, une fois que vous aurez choisi votre cadeau, l'admin va faire péter le cadeau. Ensuite, voilà, comme vous pouvez voir la grosse flèche, vous sortez par ici. Donc, TP vers le spawn. Et voilà. Et voilà, vous serez totalement redirigé là. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, quand vous faites ça, vous avez le site web. Le site web. Ici, vous avez les différents administrateurs. Donc, ça, faut que je le rajoute parce qu'il y a du monde qui s'est ramené. Ici, quand vous appuyez simplement sur le bouton ici, vous pouvez écrire, ajouter des idées et les donner pour le site web et ici pour le serveur. Si vous voulez faire partie des admins, etc. ou un autre groupe, grade. Ouais. Voilà, vous marchez là-dessus simplement et puis vous allez sur le site. Ouais. Donc pour s'inscrire, pour avoir des grades, faut faire une candidature et faut payer son grade. Comme tout le serveur. Voilà. Donc bon, après ça, pas trop besoin de vous le montrer, c'est un monde comme un autre. Ouais, c'est un monde normal. Monde ressources, c'est justement pour que vous puissiez prendre des ressources tranquillement sans que vous emmerdez. Voilà. Donc si vous voulez venir sur le serveur, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir tous. Bon, alors ce qui est bien aussi, c'est pour les personnes qui ont un compte premium. Donc quand vous faites votre entrée, si vous n'avez pas vos skins, vous nous demandez. Si vous avez des informations à vous, vous nous demandez. Si vous avez des questions, tout vous demandez. Et donc voilà. De toute façon, on est très souvent connecté sur le serveur. Donc si vous avez besoin d'aide, ou vous voyez que là en bas il y a Lixou par exemple. Lixou Picsou. Alors s'il y a Lixou Picsou, Abaddon, même toutes les personnes qui sont sur le serveur, n'hésitez pas à demander. Et puis, voilà, ils vous donneront. Ils vous répondront. Un moyen pour. Qui c'est qui a fait la maison dans le sapin? Je sais pas, ça doit être pour vous. Il a encore toute la merde. En fait, il est toujours en train de tout aménager, lui, tout simplement. Ouais, non, mais. Ouais, c'est lui. C'est un petit peu abusé, là. Ok. Voilà, donc là, on attend beaucoup de personnes. On attend du monde qui vient. Enfin. Voilà. L'IP sera dans la description, comme on l'a dit. De toute façon, on l'affichera à l'écran. Ouais, même, ouais. Donc, voilà. Bon bah, on espère que vous viendrez nous voir. Et vous viendrez nombreux. Et nous voilà. Dire, ah, j'ai vu ta vidéo, j'avais envie de venir. Voilà. Ça nous ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à prendre place sur le serveur avec les passerelles et tout ça. Et à construire tout ce que vous voulez. Enfin, pas tout ce que vous voulez, je veux dire, mais je veux dire votre petit monde. Hein. Enfin, je veux dire votre petit bordel. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Oui. On vous souhaite... Si vous venez pas avant Noël, très bonne fête. Joyeux Noël. Et puis bah voilà. Un très bon réveillon et tout ça. Et à très bientôt. Et à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde.